Quand il y a 4 ans, Jean-Christophe a décidé de découvrir la Basse-Californie, il a pris 2 mois pour parcourir les 1300 km qui mènent de la frontière avec la Californie nord-américaine jusqu'à l'extrême sud de la région. Passionné par la flore, c'est la partie centrale de la péninsule, longue langue de terre située au nord-ouest du Mexique et séparée du continent par l'étroite mer de Cortés, qui l'a surtout impressionné. Un désert non pas de sable ou de pierre, mais un désert plein de vie. Quand on arrive dans un désert comme ça, on a presque l'impression que les cactus ont été posés et ont été plantés par l'être humain. On se croirait presque dans un jardin botanique. Et c'est ce qui fait donc la richesse de l'endroit. On a une diversité de plantes qu'on trouve dans aucun autre désert au monde. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de rester ici plus qu'à un autre endroit sur Terre. Après avoir publié le premier et le seul livre en français sur la région, dès qu'il en a le temps, Jean-Christophe continue de photographier la centaine d'espèces de cactus, dont la plupart ne poussent nulle part ailleurs. Le cactus chola, le cardon ou cactus chandelier, mais aussi le torotée, l'arbre éléphant, ou le palo adam, connu sous le nom de couronne du Christ. De cœur dès la première fois où je suis venu. Et donc, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai décidé de faire le pas depuis la France, de venir m'installer ici, à l'autre bout du monde. Et j'ai créé mon tour opérateur sur place avec une clientèle française en majorité, avec un tourisme que j'essaye de garder le plus possible responsable. Jean-Christophe s'est installé à La Paz, seule grande ville de Basse-Californie située sur la côte est de la péninsule. Il y accueille de petits groupes venus explorer une région où le désert n'est jamais loin de la mer et propose à ses clients des activités tournées vers la nature. Parmi les guides auxquels Jean-Christophe a l'habitude de faire appel, il y a Rodrigo. Biologiste marin de formation, ce franco-mexicain aime partager ses connaissances et faire de l'éducation à l'environnement. Le coin préféré de Rodrigo, c'est Espiritu Santo. Situé à environ 25 km de La Paz, cet archipel d'îles volcaniques d'une centaine de kilomètres carrés est classé en réserve naturelle. Il vient même d'être classé par l'UNESCO, patrimoine mondial de l'humanité, comme les autres îles de la mer de Cortés. Succession de plages et de criques, Espiritu Santo est inhabité et ne possède aucune infrastructure. Seuls quelques campements écologiques y sont autorisés, qui permettent des balades en kayak, de la marche ou du trekking sur les sentiers ou de la plongée. Rodrigo parle avec passion de cet archipel où a débuté la conquête de la Basse-Californie par les Espagnols au XVIIe siècle et où existe une biodiversité étonnante. Ici, on peut voir les figuiers sauvages qui croisissent partout dans la Basse-Californie, mais surtout sur l'île Espiritu Santo. Ils prennent des formes très étranges sur les falaises. Il y a même quelques figuiers qui sont, ils ont la forme de femmes en train de danser. Maintenant, seulement, il faut la trouver.
C'est entre l'île d'Espiritu Santo et l'île Partida, la plus au nord, que Rodrigo aime venir observer une faune importante d'oiseaux migrateurs et sédentaires. Des sternes, des cormorans, des mouettes à pattes jaunes et des pélicans bruns. Parfois, avec un peu de chance, on peut même y voir des aigles pêcheurs. La vie qui est ici est unique et précieuse. Et n'importe qui vient ici, à la Basse-Californie, essayons de voir autre chose de différente par rapport à n'importe où dans le monde, vont découvrir qu'ici, c'est vraiment la paix. Ça veut dire la paix, la tranquillité. Mais l'étape que Rodrigo ne manquerait pour rien au monde est sans doute la plus surprenante du circuit écotouristique autour de La Paz. Ce sont les promontoires rocheux couverts de guano de Los Islotes. C'est ici qu'une colonie de près de 300 otaries a élu domicile à l'année. Il suffit alors de dépasser l'appréhension causée au premier abord par les brames de plusieurs dizaines d'animaux, de s'équiper d'une combinaison de plongée, de palmes, d'un masque et d'un tuba, pour pouvoir nager avec les otaries dans leur environnement naturel et participer à un étrange ballet nautique. Un espace vierge pour des voyageurs en quête d'aventures accessibles. Pour Rodrigo et Jean-Christophe, la Basse-Californie est propice à un tourisme différent, conciliant respect de l'environnement et développement économique. Pourtant, un peu partout se dessinent des projets de construction d'infrastructures avec marinas, complexes hôteliers de luxe
golfe comme dans la baie de Ballandra, toute proche de La Paz, qui attire les convoitises des promoteurs immobiliers. L'idée, c'est si tu vas faire du développement, n'importe où, soit le Mexique, soit en France, il faut avoir beaucoup d'imagination et beaucoup de tête. Parce que si tu commences à développer pour avoir des grands hôtels, tout ça, tu vas faire, grandir trop vite une ville et tous les bels endroits où les personnes aiment aller vont disparaître. C'est pour ça qu'en Basse-Californie, on protège beaucoup les plages. C'est pour ça qu'on protège beaucoup nos îles, quelques plages. Par exemple, en Abalandra, on veut la transformer. La personne de La Paz veut la transformer en une aire naturelle protégée parce que c'est vraiment vierge. C'est la beauté de la Basse-Californie, c'est d'être vierge, où il n'y a pas beaucoup de monde. La Basse-Californie ne dépasse guère 230 km dans sa largeur. C'est en empruntant la seule route transpéninsulaire qu'on passe de la mer de Cortés à l'est, à l'océan Pacifique à l'ouest. À la sortie de la petite ville de Todos Santos, entre la mer et une lagune d'eau douce qui abrite une palmeraie, on découvre alors un site exceptionnel. C'est ici qu'est située la Posada La Poza, un petit hôtel de charme de quelques chambres. Pas de radio, pas de télévision, le son est celui de l'océan, le spectacle celui de la nature. Et c'est ce qu'aiment les clients de Jean-Christophe. Quant à Lenka, la gérante, elle se réjouira presque de la piste peu carrossable qui mène à l'hôtel et qui semble encore protéger celui-ci d'un afflux trop massif de touristes. Nous essayons de garder les choses telles qu'elles sont, de manière à ce qu'on puisse voir la nature telle qu'elle devrait être. Nous avons juste 7 chambres. Ça permet d'avoir suffisamment de place pour tous nos hôtes et pour toutes les créatures qui vivent ici, comme les oiseaux. Rien que du jardin, on peut voir plus de 50 espèces d'oiseaux. Cette étendue d'eau douce, c'est comme un sanctuaire pour les oiseaux. Il y a des colibris que l'on peut voir nulle part ailleurs dans le monde. Cette eau vient de la montagne, et tous les mois, parfois tous les 3 mois, ce lagon s'ouvre et toute l'eau se répand dans l'océan. Lenka confie même que l'eau douce qui se mélange à l'eau de mer est propice à la prolifération d'une algue que l'on ne trouve nulle part ailleurs et dont les baleines sont très friandes. Car à La Poza, l'attraction en début d'année, à seulement quelques mètres de la plage, c'est une concentration exceptionnelle de baleines grises. C'est vraiment surprenant. C'est incroyable. Il y en a 6, 7, 8. Peut-être plus. Elles font toutes la même chose en même temps. Quand une sort de l'eau, aussitôt l'autre sort aussi. Personne ne peut décrire ça avant de l'avoir vu en vrai. Et même probablement, si on racontait ça à quelqu'un, il ne vous croirait pas. C'est fascinant. Fascinant, c'est le mot, oui. Mm-hmm.
Mais pour voir les baleines de plus près, pour pouvoir même, dit-on, les toucher, il faut remonter sur plusieurs centaines de kilomètres plus au nord, au cœur de la réserve de Vizcaíno. Il faut se rendre jusqu'à la lagune de San Ignacio. Classée au patrimoine naturel de l'humanité par l'UNESCO, cette lagune est depuis 1979 l'un des sanctuaires pour la reproduction des baleines. C'est ici qu'une poignée de pêcheurs a créé Cuima pour offrir une alternative professionnelle à tous ceux qui vivent de la pêche et qui ne peuvent pratiquer leur activité de décembre à avril, pendant la saison de reproduction des baleines. Cuima est une association à 100% mexicaine qui fonctionne comme une entreprise. Elle dispose d'un camp d'une dizaine de huttes pour accueillir ses clients pendant 2 ou 3 jours et pratique un tourisme le plus écologique possible, limitant son impact sur l'environnement. Cuima emploie une 60aine de personnes. Carlos fut l'un des premiers pêcheurs engagés en 1993 comme guide pour l'observation des baleines. Cet environnement, cette lagune, est une des plus pures qui soit dans le monde. Et c'est pour ça que la pratique et le développement de l'écotourisme sont importants, parce que précisément, ils permettent de s'implanter et de convaincre les gens dans le monde entier que par ce type d'activité, on peut utiliser les ressources naturelles et en profiter pour subvenir aux besoins de beaucoup de personnes. Et qu'on peut le faire de façon organisée et consciente afin de ne pas détruire l'environnement. Votre attention, s'il vous plaît. Premièrement, bienvenue à Cuima et à la lagune de San Ignacio. Nous sommes dans un site naturel protégé, donc nous devons prendre soin de cet endroit. Il y a quelques règles dans le camp que vous devez suivre. Dans la zone d'observation, il y a aussi des règles. Par exemple, il ne peut pas y avoir plus de 16 bateaux à la fois dans la zone. Un bateau ne peut pas approcher les baleines à moins de 30 mètres. Il ne peut pas suivre une baleine ni lui couper la route, et c'est à la baleine de décider si elle veut s'approcher de nous. Si une baleine s'approche près du bateau, vous avez la possibilité de la toucher, mais jamais dans les yeux, ni dans les vents, ni sur les nageoires ou la queue. Les touristes arrivent chaque hiver à San Ignacio pour observer les centaines de baleines grises qui, après avoir parcouru 6000 km depuis la mer de Bering en Alaska jusqu'à la côte pacifique de la Basse-Californie, viennent s'accoupler et procréer dans les eaux peu profondes, calmes et chaudes de la lagune. Là, un saut, un autre saut. Allez, encore un autre, chérie. Continue à regarder par là, elle saute en général plusieurs fois. On en a une tout près à 9h. Viens, viens. On va peut-être en avoir une autre. Allez. Oh, voilà le petit. C'est un bébé. Frappez sur l'eau maintenant. Allez, n'ayez pas peur. C'est sa façon de dire bonjour. Frappez l'eau, s'il vous plaît. Frappez l'eau.
Frapper sur l'eau, c'est une bonne idée quand elles sont tout près, parce que les bulles et les remous les attirent. Elles aiment quand ça bouge. La réserve de la biosphère de Vizcaíno, établie en 1988, constitue l'aire naturelle protégée la plus grande d'Amérique latine avec 2,5 millions d'hectares. Grâce aux efforts communs de Cuyima et d'autres organismes publics et privés qui ont encouragé sa reproduction, c'est ici que survit en semi-captivité et dans un environnement contrôlé le berrendo, l'antilope de la péninsule, un petit animal d'à peine 1 mètre et pesant une cinquantaine de kilos. Comme Carlos, Fernando est pêcheur et guide naturaliste pendant la saison de reproduction des baleines. Mais il préfère aujourd'hui faire découvrir cette partie moins connue de la réserve et le berrendo, menacé d'extinction par l'expansion agricole et le braconnage. Il est bon de retrouver une espèce. Les premiers habitants de la péninsule l'ont représenté dans des peintures rupestres. Et il est gratifiant de voir que cette espèce existe toujours, que nous ne l'avons pas faite disparaître. Tout comme d'autres espèces dans cette réserve, comme la baleine grise, qui elle aussi a été représentée par les premiers habitants dans les peintures rupestres. Avoir toujours ces espèces avec nous au sein de la réserve en dit long sur ce que nous sommes. Alors qu'elles étaient sur le point de s'éteindre, nous avons lutté pour leur survie.
Mais le véritable domaine de Fernando, c'est la Sierra San Francisco. C'est dans ces montagnes qui culminent à près de 2000 mètres que sont nés sa mère et sa grand-mère, que vit toute sa famille, lointains descendants des soldats qui accompagnaient les missionnaires venus convertir les peuples mexicains à la foi catholique. Fernando connaît toutes les plantes que l'on trouve dans ces montagnes, comme l'agave, le cactus cochal ou la visnaga. Mais ce qu'il tient à faire découvrir à tout prix aux touristes, c'est une plante beaucoup plus rare, à la forme étrange et dont certains spécimens seraient âgés de plus de 700 ans. Alors il faut monter toujours plus haut, dans la zone la plus élevée de la Sierra. Le cirio, le cactus cierge, est une plante particulière du fait de sa forme. Elle pousse très lentement. Cela lui prend environ 27 ans pour atteindre un mètre. Cette plante que nous avons ici a une taille moyenne. Elle mesure à peu près 18 mètres, ce qui équivaut à un âge de 360 ans. Nous devons préserver le cirio, parce qu'avec sa pousse lente, pour qu'il atteigne l'âge de reproduction, il a besoin de beaucoup, beaucoup de temps. C'est ça la raison de sa conservation, qu'il arrive à se reproduire. Si Fernando tient à préserver sa sierra, il a une idée bien précise de son rôle. Même si le tourisme est encore ponctuel dans cette partie de la réserve de Vizcaíno et que la topographie des lieux impose de toute façon une limitation du nombre de personnes par groupe de visiteurs. On peut dire que je fais de l'écotourisme, mais il faut que j'en trouve des écotouristes. Si je pratique l'écotourisme, je montre la nature, je montre à l'écotouriste comment se comporter dans une zone protégée. Mais ce touriste, quand il va rentrer chez lui, il doit mettre en pratique ce que je lui ai montré. L'écotourisme, ce n'est pas seulement montrer la nature au touriste. C'est aussi lui apprendre à la respecter. Une succession quasi ininterrompue de montagnes forme l'épine dorsale de la Basse-Californie. Alors que ces montagnes descendent en pente douce jusqu'au Pacifique, elles sont extrêmement abruptes côté est et plongent littéralement dans la mer. La Sierra de la Giganta s'étend du sud de la petite ville de Loreto jusqu'au nord de La Paz et offre parmi les plus beaux points de vue sur la mer de Cortés. Lorraine est arrivée pour la première fois dans la péninsule lors de son voyage de noces. C'était il y a plus de 30 ans. Elle et son mari Mike sont tombés amoureux de la région. Après une vie de voyage et d'aventure, ce couple d'Américains a ouvert le Dan Santé Resort à une trentaine de kilomètres de Loreto.
C'est un petit hôtel de 9 chambres construit entièrement avec des matériaux locaux. Des briques artisanales d'adobe pour les murs et des feuilles de palmier pour le toit des bâtiments. Depuis le début, Lauren et Mike font travailler exclusivement des habitants du village voisin d'Ensenada Blanca. Ils emploient une douzaine de personnes comme guides naturalistes, instructeurs de kayak, capitaines de bateau et bien sûr comme cuisinières. Celle-ci prépare une cuisine mexicaine traditionnelle assaisonnée avec les ingrédients rois. Le piment, le citron vert, la coriandre fraîche, sans oublier les tortillas, les tacos de blé ou de maïs et autres enchiladas. Pour moi, l'écotourisme unit de manière intime et profonde l'homme à son environnement. Et quand je dis environnement, ce n'est pas juste les montagnes, les collines, les plantes, l'eau, la vie marine sauvage, mais aussi nous. On en fait partie. Les êtres humains en font partie. Donc, diriger un hôtel écotouristique, c'est avoir un lien, c'est faire la différence, contribuer à l'environnement, donner quelque chose en retour. C'est pour moi la façon de concevoir l'écotourisme. Il ne suffit pas simplement d'avoir une structure durable. Ici, tout fonctionne à l'énergie solaire. On fait très attention à l'environnement. Mais aussi faire de la formation, aider les gens qui vivent dans le coin, ceux qui ont la culture d'ici. Juan Carlos travaille au Don Santé Resort depuis plusieurs années comme instructeur de plongée. C'est un ardent défenseur d'un tourisme tourné vers la mise en valeur de la biodiversité et la protection de l'environnement, conscient de la richesse mais aussi de la fragilité des écosystèmes, qu'ils soient terrestres ou marins. Le type de tourisme que nous développons dans cette zone est fondé sur l'appropriation des beautés de la nature, mais en envisageant leur conservation pour les générations futures. C'est le contraire du tourisme que nous appelons au Mexique tourisme de plage, qui se pratique dans d'autres centres de vacances dans lesquels on pratique des sports comme le jet ski, le ski nautique, qui, parce qu'ils exigent un usage intensif de ressources, ne respectent pas l'environnement. On y construit de grands hôtels, ce qui oblige à utiliser des ressources naturelles qui n'existent qu'en faible quantité. Comme l'eau. Les eaux du parc national marin de Loreto, qui entourent les îles de Don Santé, Coronado, Carmen et Catalana, sont un véritable paradis pour les passionnés de plongée comme Juan Carlos. Si dans cette zone de la mer de Cortés, les variations de température de l'eau ne facilitent pas la pousse du corail dur, les récifs rocheux permettent la survie des espèces marines comme le poisson arc-en-ciel, l'ange de Cortés, le poisson scorpion ou le poisson perroquet.
Plongée, découverte en kayak des côtes, découverte des îles en bateau, mais aussi balade à cheval. Les activités proposées par Lauren et Mike au Dance Center Resort sont nombreuses. À l'image de la Basse Californie, la région de Loreto est un paradis naturel et sauvage qui offre d'immenses possibilités pour le tourisme. Un tourisme qui n'a commencé à se développer que depuis une trentaine d'années, essentiellement à l'extrême nord et à l'extrême sud. Mais depuis quelques mois, la pression du développement d'un tourisme à grande échelle se fait plus précise et inquiète Lauren, Mike et Juan Carlos. Des travaux viennent même de débuter à la limite de leur propriété, au pied de leur hôtel. La région de Loreto connaît en effet un boom. Elle pourrait devenir le prochain grand centre d'attractions touristiques de classe internationale au Mexique. Et malgré les garanties en termes de développement durable données par les investisseurs, qu'ils soient américains, canadiens ou mexicains, il est difficile de ne pas s'inquiéter des conséquences sur les paysages, l'environnement et les ressources naturelles de l'arrivée de milliers de touristes chaque année. Une des difficultés, c'est que d'un côté, il y a ensemble le gouvernement et les grosses affaires, et de l'autre, les petites affaires et les locaux. Mais ils ont du mal à se rapprocher. C'est l'un ou l'autre. Et quand c'est un gros business pour faire un maximum d'argent, si l'affaire ne marche pas, ils s'en vont en laissant tous ces grands hôtels à l'abandon. En plus, en général, ils n'emploient pas les locaux. Et ils ne prennent pas le temps de les former. Ils amènent des gens d'ailleurs, ce qui chasse les gens du coin et les pousse à aller habiter ailleurs. Du coup, ça déplace l'économie locale et les travailleurs locaux. Je pense que le développement du tourisme de masse, avec de gros hôtels, beaucoup de chambres, c'est un gain économique à court terme pour ceux qui sont les premiers à construire, pour les membres officiels du gouvernement qui prennent l'argent, les taxes. C'est une vision à court terme. À long terme, ce qui va préserver l'environnement, ce sera un mélange des deux. Pas simplement les grandes barres d'hôtels, les résidences à temps partagé, mais penser à plus long terme pour savoir comment on va entretenir et protéger cet environnement qui attire les gens. Si cet environnement est détruit, personne ne viendra plus ici. Thank you.